Deux jours de travaux pour dégager les secteurs prioritaires pour rendre la commune de Libreville belle, propre et attractive, c'est l'objectif du nouveau bureau du conseil municipal de Libreville qui s'est tenu du 16 au 17 mars 2019. Nous sommes retrouvés ici donc en séminaire de travail. C'est une nouvelle équipe, donc il est effectivement de bon aloi et sur instruction du maire que nous nous retrouvons donc pour faire un peu le point, non seulement le point de situation, mais surtout pour voir quelles sont les actions prioritaires urgentes que le nouveau conseil municipal doit mettre en œuvre dans les jours qui viennent pour rendre Libreville, comme l'a si bien dit le nouvel édile, propre, belle, attrayante et prospère. Grosso modo, je peux le dire comme ça, il y a quelques problèmes de voirie, il y a quelques problèmes, donc je l'ai dit, l'insalubrité, l'hygiène et probablement quelques actions diverses qui vont toucher et impacter directement la population librevilloise. Nous ne voulons pas être prétentieux et nous n'allons pas vous dire un délai de tant de jours, mais simplement sachez que la nouvelle équipe est à pied d'œuvre et est disposée et déterminée surtout à pouvoir donc aller assez vite dans la mise en œuvre de son plan d'action urgent. Avec le problème récurrent d'insalubrité, de manque d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, l'insécurité grandissante, sans oublier l'incivisme de certains citoyens, la tâche qui attend le nouveau conseil municipal sera ardue et sans repos au regard de tous les défis à relever.